Allez, on se retrouve pour une vidéo où on va finir. Vous avez le set Papercraft Deluxe de chez Action. En fait, c'est celui qui est dans les pochettes plastiques. Hein. C'est pas le livret, c'est celui qui est vraiment en pochette plastique où il y a les die cuts, les autocollants. Je sais pas si vous voyez lequel que je veux dire et les tags. Alors, j'ai tout prédécoupé, j'ai tout mis en enveloppe. J'ai déjà utilisé les éléments que je vais utiliser. Et du coup, on est parti. Voilà. Alors, c'est parti. On va faire, du coup, trois cartes, je pense, comme sur la vidéo précédente. J'en ferai pas systématiquement trois. Là, j'en fais trois parce que j'ai la possibilité de les faire. Donc, du coup, voilà. Mais, donc ça fait 10,5 par 10,5 par 14,5. On va enlever un demi comme ça. On va mettre. Ben non, c'est 10, pardon. Et 14, 14 et demi. On va couper à 14,5. Voilà. Hop. Donc là, je vais couper en deux. Donc si ça fait 14 et demi. Pas tout à fait en deux. Hein. On va faire 7 et 7 et. 7 et le, on va peut-être faire moins. On va faire 6 cm et le reste. Voilà. Et sur ce morceau-là, sur le petit morceau, donc sur le petit morceau de 5, de 6 sur 10, on va enlever un demi. Voilà. Donc ça fait un morceau de 5,5 et un morceau de 8 et demi. Voilà. On va reprendre une bande bordeaux comme ceci pour mettre en dessous. On va rester, on va essayer de faire les cartes à l'identique, sauf que celui-ci, je vais le tourner comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. Je prends ma colle. Je viens la coller ici, cette bande. Hop, et moi je veux de l'autre côté à 5. Comme ça à peu près. Voilà. Hop, on va couper ce qui dépasse au ciseau. J'ai le vent qui fait des drôles de bruit. Ensuite, on va prendre celui-ci avec le renard. Mais alors, je sais pas, il doit aller debout, je pense, mais ça fait trop chelou, hein. On va le mettre comme ça. On va venir mettre cette chouette et on va mettre Winter ici. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est bizarre. Le renard, là, il me perturbe. On va le mettre comme ça me perturbera moins. Et ça, ici. Voilà. Et puis, un petit nœud, comme sur les autres, comme sur les autres, en fait. Vais mettre celui-là. J'ai envie de camoufler celui-là qui me perturbe en fait. Il me perturbe vraiment. Non, on va le laisser comme ça. Ça. On va le mettre comme ça. Ça ici. Et celui-là, je vais le mettre ici peut-être. Qui va enrouler le Winter. Qu'est-ce que vous en pensez? En même temps, vous ne pouvez pas me répondre. Donc c'est pas juste. Allez, on fait ça. Hop, on va mettre. J'ai dit que je voulais mettre Winter comme ceci. Attendez,
Je sais plus. Comme ça, je crois. J'avais dit comme ça. Sauf que le renard, je vais le mettre. Hop. En fait, il ne faut pas trop mettre de la colle liquide là parce qu'après, elle fait gondoler le papier. Hop. Le winter, j'ai dit que je le mettais. Crochant, je sais plus, comme ça, je crois, comme ça. Là, je le mets là, ouais, comme ça, ça va faire bien. Allez, c'est parti, comme ça. Winter, voilà. Et Ophélie, tu vas te calmer. Pour ceux qui ont la référence. Je sais pas si vous avez la référence, en fait. Moi, j'ai la référence parce que je suis vieille. Mais les jeunes, ils l'ont peut-être moins. J'adore celui-ci est très beau. Là, j'entends tousser là chez WAM. Peut-être pour ça que je suis pas bien. Ils sont tous malades là. Ils sont en vacances, on va tous être couchés. Je vous jure. Je fais ça parce que après, maintenant, parce que tout à l'heure, je regardais un épisode d'Incroyable Talent. J'adore. J'adore cette émission. J'ai dit épisode. Non. C'est pas un épisode. C'est une émission. Voilà. Et je vais rajouter mon petit nœud. Alors, quelle couleur? J'ai bien envie d'y remettre un chocolat. Celui-là, par exemple, ici. Trop bien. Ouais, on va faire ça. Un dot. Meilleur pâtisserie. Non, je regarde pas ça. Pourtant, j'adore ça, faire de la pâtisserie, mais... Oh là là, mon Dieu. C'est sur le Halloween. J'aime pas Halloween, j'aime pas Halloween. Voilà. On va venir la coller ici. Mais il faut que je rabote un bout. Sinon, ça rentrera pas sur la carte. C'est bizarre, mais... Hop. Et c'est mieux. Je sais pas ce que c'est après, ouais. J'ai vu. Après, j'ai vu. Hop. Et hop. Et de une. Une carte. Sympa, je trouve que ça rend bien. Ensuite, on va refaire une autre. Je reprends un papier. Donc, on va enlever un demi. On va prendre 4. On va le retourner. On va faire comme ça.
Je vais regarder si j'ai une autre bestiole. Je vais regarder si j'ai une autre bestiole. Oh là là. Ah, j'ai un oiseau ici. Ça, ça peut faire bien. C'est quoi celui-là? Ça va faire trop. Ça, ça va pas. Alors là, ça, j'ai pas compris. Ah, c'est un lapin. What? Bon, je vais mettre le perroquet là. Non. Le corbac. Le corbeau. Ouais, on va faire ça cochon, ça va être bien. Ça va être bien. Ça va être bien, ça va être bien. Ça va être bien. Parce que j'ai peur que les stickers, ça fasse pas joli. Bon. Allez, on va faire ça. Il me faut une bande de bandeau. Est-ce que j'en ai encore de coupé dans le coin? Non. Ah, attendez, peut-être pas assez longue. Pas assez longue. Donc, on va recouper une bande de 1 cm et demi. Hop. Ça c'est tranchant. Hop. J'ai fait quoi? Oui, si, c'est ça. Je comprenais plus. Hop. Et hop. Ensuite, j'ai dit que je mettais Louis Ira. Ça va, c'est tout. Ça commence l'incroyable talent. C'est toutes les rétrospectives de l'année dernière. Ou pas. J'en sais rien. Peut-être tout ce qui va se passer cette année finalement. Trop bien. Hop, on enlève ça. J'ai mis de la mousse 3D sous cette fleur. Je vais mettre de la colle sur la tige. Ça, je vais coller celle-ci. Punaise, mais tais-toi donc. Mon petit corbeau, j'ai encore à dire ma perruche, là. Perroquet, mais non.
Voilà, un petit nœud. Ici. Alors, c'est des nœuds que j'ai fait moi-même. Faut que je me réimprime un outil à nœuds parce que je sais pas du tout ce que j'en ai foutu du mien. Et du coup, faut que je me le réimprime à l'imprimante 3D. Je vais m'occuper de ça, de ces quatre. Ça va, c'est rapide, il n'y en a pas pour long. Voilà. Un fond blanc. Et ben là, il y a bien, c'est bien, j'ai pas besoin de recouper, c'est parfait. Voilà, nickel. Voilà, et de deux, donc une et deux. Qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je pourrais pas y coller des trucs là? Tiens, ça par exemple. Tiens-toi dans ton. Hop. Ah, j'aime bien les toiles là, ça fait bien. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Si, ça fait bien. Regardez, en collant ça, snowflake. Est-ce que j'ai le temps d'en refaire une de dernière? Allez, on se lance à l'eau. J'en fais qu'une, je reprends un papier, mais j'en fais qu'une. Donc là, je vais prendre ces deux morceaux. On va faire ça. Parce que vous voyez, là, je peux pas, ça va me faire un cerf-volant. Donc ça, et on va faire pareil de ce côté-là. Non, attendez, c'est des gros, mec. Faut que je le coupe de ce côté-là pour avoir la même chose. Voilà. Donc vous pouvez en mettre une allongée avec la bande et une comme ça. Une en format paysage et une format portrait. Et nous, on va faire format portrait avec lui, celui-là, avec le mot winter, wild. Et voilà, on sera bien. On sera bien, on sera bien, on sera bien. Et on aura fait nos trois cartes. Est-ce qu'il me reste un morceau de... Ça, il faut que j'en recoupe parce que j'ai pas assez long. Donc, on recoupe. Voilà. Celle-ci, vous aurez compris, vous pouvez en faire une dernière. Du coup, là, sur deux vidéos, vous aurez six cartes différentes. Je pense que ça peut être pas mal. Donc, on retourne. Je mets ma colle. Voilà, hop. Hop. Et hop. On est bien. Je coupe ça. Ça. Ça.
On est plutôt pas mal, hein, je dis rien. Pour 3 cartes là, en 2 vidéos. 6 cartes en 2 vidéos. Je trouve ça plutôt chouette. Alors, on met de la colle. J'espère que j'ai pas été trop hors champ, mais logiquement, ça a dû bien se passer ce fois-ci. Voilà, on va mettre le wild. Voilà. Ici. On va mettre lui. Bon, je crois qu'il y en a assez, hein, de la mousse 3D pépère. Voilà. Oh, c'est celui que j'ai partagé. Il est très bien. Il est très très bien sur Facebook. J'ai pas vu sa presta, mais c'est pas très grave en fait. Parce que je l'ai découvert sur Facebook, ce gars, et... il fait des imitations. C'est très, très, très bien. Trop bien. Enfin, moi, personnellement, j'ai bien aimé la Presta. Voilà. Très bien. On va peut-être rajouter un petit truc pour faire sympatoche. Tiens, ça. Ça peut faire pas mal ici, là. Hop. Hop, et un chneu. Celui-là, il est pas trop mal, celui-là. Avec un peu de doré dedans. Ouais, ça peut être bien. Parce que le reste, c'est pas très. Parce que le noir, c'est pas trop ça, quoi. C'est pas fait pour là. Alors là, les cartes les plus simples de la vie, les plus simples qu'on peut faire. Hein. Je crois que là, on peut pas plus facile en carte. Voilà. Après, vous n'aurez juste qu'à rajouter votre fond de carte. Hop, on va mettre ça ici, parce que du coup, j'aime bien. On va venir coller ça là, mais il faut que j'en enlève un bout, comme vous pouvez le remarquer. J'ai trop envie de couper mon wild. Hop. Impec. J'ai l'impression que mon massicot, il coupe plus droit. Et là, ça va vraiment me prendre le chou. Parce que c'est quand même un Stampin' Up. Pas oublier, hein, quand même. Et, voir, c'est moi qui merdouille avec mon papier, je sais pas, mais... Voilà, la troisième. Alors, du coup, pour les trois de ce soir. Vous avez celle-ci avec l'espèce de raton laveur, là. Celui-ci avec le cerf et le petit oiseau. Celui-ci avec ben, le renard qui est bizarre, ici. Ce renard-là que j'ai rajouté et la chouette. Voilà. Et les trois de la vidéo d'hier, qui est du coup fait à la suite. Hein. Celles-ci ont été faites sur une vidéo à la suite. Vous avez celle-ci avec le loup et l'oiseau. Ma colle fait courber le papier, ça va pas me plaire. Celui-ci avec le Bambi et celui-là avec l'ours ici et la petite chouette là. Donc vous voyez, vous avez 6 cartes différentes avec le même set, et je peux encore en faire parce que
Il me reste des étiquettes. Il me reste des étiquettes. Et il me reste encore plein de die cuts. Mais je suis en train de me demander si je vais pas essayer de faire une pocket letter avec. Parce que bah, il me reste plein de trucs en fait. Et j'ai pas envie spécialement de refaire des cartes. Quoi. Parce que j'ai déjà fait 6 cartes avec. Et je me demande si je vais pas transformer tout ça en pocket letter. Ou alors faire encore des cartes avec. Je sais pas. Je vais voir. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ces vidéos vous ont plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh ben n'hésitez pas à le faire. Vous serez les bienvenus. Activez la petite cloche pour avoir les vidéos, les nouvelles vidéos dès qu'elles sont publiées. Voilà, voilà. Bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Allez, bye bye.